Lors de cette séance de questions avec débat au gouvernement du Sénat, les sénateurs ont interpellé les membres du gouvernement sur plusieurs questions, dont celles liées au social. Sur la question de la vie chère, le sénateur Gaspard Kayamagan a suggéré une valorisation des salaires pour adapter les dépenses des Congolais au coût élevé de la vie. En réponse à cette question, le Premier ministre a émis des réserves quant à une telle solution qui pourrait avoir des répercussions négatives à la longue. Bien sûr que l'indexation des salaires sur l'inflation garantit le maintien du pouvoir d'achat face à la hausse des prix. Cependant, nous-mêmes d'ailleurs avons tenté l'expérience en 1991 avec l'augmentation des salaires du fait de la vie chère. Quelques mois plus tard, nous avons commencé à accumuler des retards des salaires, puis des arriérés dès 1992. Puis des réductions des salaires à partir de 1994. Au nombre des préoccupations des sénateurs, il y a celle liée à l'assainissement des marchés d'Omagno et les grandes artères de Brazzaville, dénommées Gardons nos villes propres, en proie actuellement à un relâchement, mais qui devra se consolider simultanément avec la lutte contre les inciviques qui extorquent l'argent des commerçants sans aucun mandat. Nous réitérons notre appel à tous les commerçants ayant regagné les marchés d'Omagno de ne pas avoir la tentation de recréer des marchés de fortune, les services compétents y veilleront. De même, toute personne non habilitée qui s'érige en percepteur des taxes en lieu et place des collectivités locales dans les marchés s'expose à la force et à la rigueur de la loi et nous allons, dès à présent, ouvrir une enquête à ce sujet. Au sujet de la spoliation et l'occupation anarchique des habitations de la cité des 17 à Brazzaville, le chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, a annoncé un processus en étude pour le déguerpissement en vue de ses occupants.